Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vous apporte aujourd'hui un vapeau, voilà, un spray cheveux pour gainer le cheveu que vous allez utiliser quotidiennement. C'est tout de suite. Donc voilà, comme tu l'as vu dans le titre et dans la miniature, je t'apporte aujourd'hui ce spray-là qui est assez intéressant. Et tu le sais, sur cette chaîne, j'en fais un peu beaucoup, voilà, parce que c'est quelque chose que j'aime, qui aide à maintenir mes cheveux. J'ai une texture de cheveux qui est maintenant, on va dire comme ça, au départ, c'était pas ça, qui est maintenant peu poreux, et puis mes cheveux sont assez fins. Voilà, au fur et à mesure, ils vont commencer à changer de texture, parce qu'il fut un temps où j'arrêtais un peu les soins. Et je m'y mets maintenant à fond et je pense que je vais avoir de bons résultats. Donc là, c'est cette texture-là que j'ai. Et voilà, ce sont ces sprays-là qui vont m'aider à maintenir, voilà, mes cheveux pour ne pas qu'ils se cassent. Et puis aussi pour que je puisse aussi avoir des longueurs. Donc c'est ce que j'essaie un peu de faire. Et ça m'aide beaucoup. Les résultats, ils arrivent petit à petit, mais il faut le faire constamment. C'est assez intéressant. Donc là, dans ce, je vais te citer seulement un ingrédient pour ce spray-là. Il s'agit du romarin. Le romarin, sur cette chaîne, n'est plus à présenter. C'est un ingrédient par excellence. Si tu es une personne qui prend soin de tes cheveux à la maison, il peut être utilisé, il est utilisé pratiquement en cuisine, mais il peut être utilisé aussi pour prendre soin de tes cheveux car il contient des vitamines, des minéraux qui vont t'aider à gainer ton cheveu et éviter la casse de cheveux. Il va aussi aider à assainir ton cuir chevelu et puis ceci, tout cet ensemble-là va t'aider pratiquement à faire pousser tes cheveux et avoir des longueurs. Donc je te le recommande fortement. Tu vas voir aussi que ça va donner de la brillance à tes cheveux. Il n'est pas à négliger, tiens compte de ça. Essaie de te prendre une plante à la maison ou bien de t'en acheter en supermarché. Qu'il soit frais ou sec, c'est la même chose, tu auras de bons résultats. Donc ici, dans cet élément-là, tu auras bien évidemment le romarin que je viens de te citer là et puis d'autres ingrédients. Donc ce que je fais, nous passons dans ma cuisine et puis je te fais voir comment est-ce que je fais ce spray quotidien. Donc voilà mes chéris, voilà plus ou moins nos ingrédients pour ce vapeau-là, pour ce spray quotidien. On aura besoin seulement de 3 ingrédients comme vous voyez là. Nous avons ici quelques feuilles de romarin. Voilà, le romarin va aider dans la pousse de cheveux, va gainer le cheveu et stimuler la pousse de cheveux, va vous donner aussi de la brillance. Ici, j'ai quelques feuilles de manguier. Voilà, ce sont des feuilles de manguier séchées. Les feuilles de manguier contiennent assez de nutriments et de vitamines pour vous aider à faire pousser vos cheveux. Si vous avez des cheveux blancs, moi je vous invite aussi à intégrer ça dans vos soins faits maison parce que ça va aider aussi à ralentir l'arrivée des cheveux blancs. Et puis ceux qui sont là, ça va essayer de les teindre un peu naturellement. Voilà, donc ça va rajeunir aussi les cheveux. Assez important et ça va aider aussi à gagner le cheveu et stimuler la pousse de cheveux. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et ici, j'ai les clous de girofle. Voilà, les clous de girofle vont aider dans la pousse de cheveux, stimuler la pousse de cheveux, aider à faire briller les cheveux, gainer les cheveux. Et puis, ça va éviter que les cheveux se cassent et que les cheveux tombent. Donc, super ingrédient cet ingrédient-là. Vous devez toujours l'avoir à la maison, c'est très bon. Maintenant, on va passer à l'élaboration de notre vapeau, nos sprays quotidiens. Donc là, ici, j'ai mon petit vase que j'utilise pour faire mes eaux de spray. Voilà, j'en fais juste un peu, c'est juste une petite quantité puisque c'est quelque chose que je fais par semaine. Donc voilà, ce vase là il est très bon. Stérilisez vos vases, nettoyez les bien, voilà, pour ne pas vous créer d'autres problèmes de santé. Assez intéressant. Vous pouvez les stériliser en les faisant bouillir dans de l'eau et puis vous laisser reposer, ou bien vous allez les désinfecter avec du vinaigre du vinaigre, voilà, du vinaigre blanc, ça dépend. Et du bicarbonate, assez intéressant aussi. Donc là, je commence par rajouter quelques grains de clous de girofle. Et puis, je vais venir tailler mes feuilles de manguier. Et pour terminer, je vais aussi venir nettoyer mes feuilles, voilà, mes tiges de romarin. Voilà, ça donne plus ou moins ça, vous voyez là.
Et c'est fait. Je vais maintenant rajouter dessus de l'eau bouillante ou bien de l'eau chaude. Voilà, ça dépend de vous. Donc là, je viens rajouter de l'eau bouillante. Donc là, mes chéris, comme vous voyez là, je remplis pratiquement mon bol avec cette eau là. Et aujourd'hui, je ne suis pas tellement pressée. Voilà, je vais l'utiliser pour demain. Donc là, c'est déjà bon. Je vais laisser reposer toute la nuit, toute la journée. Et puis, je vais revenir, je vais vous faire voir ce que ça a donné. Ça va bien s'infuser. Et puis, après, je vais filtrer le tout et puis vous montrer comment est-ce que je l'applique. C'est très simple. Voilà. Moi, je le fais parce que je dois bientôt couper aussi mes pointes. J'ai des pointes que j'ai pas coupées il y a longtemps. Et bon, pour aider aussi les cheveux à se reprendre. Voilà. Donc, voilà pourquoi je suis en train de faire ce vapeur-là qui est super, super, super bon. Donc, voilà, mes chéris. Voilà plus ou moins notre solution. Vous avez vu que la couleur a pratiquement changé. Ça a infusé pratiquement toute une journée. Donc là, plus de 24 heures, c'est déjà bon. Si vous n'avez pas assez de temps, déjà après une heure, vous pouvez déjà l'utiliser. Mais bon, moi, j'ai eu un peu plus de temps, donc je préférais faire comme ça. Donc, on va passer au filtrage et puis vous montrer comment est-ce que j'applique ça. C'est assez simple, vous allez voir. Voilà, c'est parti. Voilà, donc là on passe maintenant à l'application. Donc comme tu vois là, voilà, c'est très simple. Voilà, c'est ce que je fais chaque deux jours ou le plus souvent deux fois par semaine. Je vais venir vaporiser mes cheveux, essayer d'en mettre un peu plus comme tu vois là dans l'image. Et puis j'essaie de faire un petit massage sur le cuir chevelu pour que ça puisse pénétrer aussi le cuir chevelu. Et pourquoi pas aussi les longueurs. Et j'essaie de faire ça en fonction de... du type de pratiquement de coiffure protectrice que je fais. Et puis voilà, j'essaie de vaporiser très simplement et puis au fur et à mesure je vais le faire dans la semaine et puis ça me donne un bon résultat et j'ai des cheveux qui ne se cassent pas. Voilà. Donc voilà mes chéris, en tout cas, comme vous l'avez vu, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Likez-la, partagez-la sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si tu es passé pour la toute première fois sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Ne pars pas de cette vidéo sans être abonné, c'est assez important pour ne plus rater, voilà, toutes ces astuces que je t'apporte, il y en a beaucoup. Je t'invite aussi à aller voir les autres astuces que j'ai fait sur cette chaîne auparavant qui vont aussi beaucoup t'aider. Et puis voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et à nous revoir à la prochaine vidéo.